après 31 ans, constitution fatiguée, li bout, li ren souffle. Tout partout dans la société, nous tendons le peuple. Tout le monde d'accord, le système doit changer, le pays a attendu ça. En plus, le monde n'a pas pensé que la commission a fait un travail qui n'a pas de force côté. Pendant un an, nous rencontrons le secteur. Yo vini, yo parlent avec nous, yo discuté, mais les obralés, yo souri ba nous. Nous disons pour qui ça ti souri ça. Yo dit nous pas quoi. Le Parlement a besoin de faire un travail qui pour rééquilibrer le pouvoir, qui pour mettre le pays sur le changement tout bon. Eh bien, je pense que je dis, l'en fini rapport, que nous avons gagné nous. Nous avons une autre opinion des commissions. En fait, l'en nous parler de 30 propositions pour réformer la nation, ce n'est pas 30 amendements qu'on a gagné. Premier, ça nous propose, c'est changement régime politique. Là. Ça veut dire élimination post-premier ministre là, pour nous remplacer par un vice-président. Ça seulement, proposition ça seulement, pour la nécessité pour nous amender 27 articles. Donc 30 propositions que nous avons parlé de vous, c'est des propositions majeures à l'intérieur desquelles nous allons avoir tout un ensemble d'articles à amender. Pour qui ça nous met des changements de régime politique? D'abord, nous voulons mettre fin à la question que le président de la République là mineur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il n'est pas responsable dans la gagote qui fait dans l'argent de l'État pendant le président pays. Nous voulons finir à la question que le président de la République, Chita dans le palais, côté la prend toute décision, la coupe rachée, mettez, retirer ministre, bail contrat, retirer contrat, bail faveur, retirer faveur, et puis le bagain pour le rendre compte. Le plus souvent, le président mettez, premier ministre, pour pétrole, à qui on bon ministre souvent en service et au service, et qui est même redevable envers la loi. Nous pensons dans la commission que bagaille ça doit finir. Et tout secteur que nous rencontrons, mandez-nous même bagaille là. Deuxième raison qui fait que nous proposons un changement de régime, élimination post-premier ministre là, pour venir retirer tout espace marchandage, dilatoire, tractation imbattable, deal dans fait noir, trafic influence, qui est pour imposer premier ministre qui pourra diriger le pays, des ministres qui souvent capables de gagner des accointances politiques, mais qui manque de compétences techniques pour être capable de faire le travail qu'il doit faire. Nous disons société, attention, même là souvent, en pile parlementaire, qu'on prend un piège ça et il va nous porter toute qualité chaille sous dos nous, souvent mérité. Cependant, le problème n'a existé, mais ce n'est pas raison pour les gens qui ont mauvaises intentions utiliser ça pour craser le Parlement. Il faut que nous ne pas oublier que le Parlement, c'est le pilier de la démocratie que nous avons construit. Il ne faut pas oublier que sans Parlement, ça n'est pas la famille si tu as fait dans l'argent de l'État. Adieu. Troisième raison qui fait que nous demandons un changement de régime, là, c'est parce que ce n'est pas normal que un candidat pour président fait campagne sous base d'un programme. Ils ont l'idée, ils ont rêve qu'ils vont au peuple. Et puis là, le président, c'est une majorité qui a mis un chef gouvernement qui lui-même parle dans l'élection et qui va déployer un programme que le peuple n'a pas voté pour lui. Il y a un pile d'autres bagailles qui n'ont pas dit sous proposition changer le régime. Là. Mais nous avons été là pour nous expliquer dans gros tonton proposition ça, mais ça a inspiré nous pour nous capables de proposer le Parlement avec le pays.